Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer le petit hernie. Alors j'ai vu pas mal de tutos qui ont été déjà faits, et il y a des erreurs quasiment dans tous les tutos, donc je me suis dit, allez, je vais en faire un petit quand même pour bien vous expliquer. Alors déjà, la première chose, c'est de récupérer le petit hernie dans la boîte. Donc nous, avec Lady, on était à deux, on avait chacun les petits hernies. La deuxième chose, c'est de faire des frags avec le petit hernie. Alors le nombre de frags à faire, je ne l'ai pas calculé, mais il est entre 100 et 150 frags à peu près, c'est ce qu'on a fait dans cette partie. Voilà, donc vous voyez, Lady a balancé ses petits hernies, je les ai balancés juste avant, et en plus j'ai récupéré les munitions. Une fois que vous avez fait tous ces frags, il va tout simplement falloir lancer un seul petit hernie dans l'église. Donc vous avez vu, moi je fail mes deux premiers lancés en plus. Voilà, et le troisième va bien arriver dans l'église. Une fois que c'est fait, vous attendez un petit peu et vous voyez en bas à droite, vous avez pu voir, j'ai récupéré mes trois petits hernies directement. Donc voilà, je m'en étais pas rendu compte tout de suite, c'était la manche spéciale, mais vous allez voir que du coup, je vais lancer un petit hernie et que du coup, ce petit hernie sera bien amélioré et il sera amélioré pour tous les joueurs se trouvant sur la map et possédant déjà le petit hernie de base. Donc vous le voyez, ce petit hernie, il est violet, alors il est vraiment, il dure beaucoup plus longtemps, au niveau de la durée, il est beaucoup plus long, et je pense qu'au niveau des dégâts, il doit faire des dégâts beaucoup plus longtemps sur les zombies, hein. Vous savez, les petits hernies, c'est comme les bons singes, au bout d'un moment, ça fait vraiment plus de dégâts sur les zombies, je pense que du coup, celui-ci doit faire des dégâts beaucoup plus longtemps également sur les zombies. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous, tchuss!